Salut tout le monde et bienvenue dans ce Vlogmas numéro 12. Aujourd'hui, je suis super excitée parce que c'est le jour où on fête Noël. Wouh ! Pour l'occasion, j'ai sorti mon pull spécial Noël et j'ai pas mis de soutien-gorge. Wouh ! Regardez ce qui est aussi magicalement apparu hier, beaucoup plus de cadeaux. On dirait qu'on est 8 enfants. Il y a tellement de cadeaux, on dirait pas que c'est juste pour nous. Hein. Moi, j'ai vraiment peur que notre coloc il pense qu'il y en a un qui est pour lui quand même. Hein. Est-ce que t'es prête pour cette journée de folie? Oui. Est-ce que t'es sûre que t'es vraiment prête pour cette journée de Noël? Wouh. Et là, est-ce que t'es sûre que t'es vraiment prête? Wouh. Là, on est en route pour aller acheter le repas de Noël de ce soir. Et pour ça, on doit retourner sur les lieux du crime, c'est-à-dire le magasin où j'ai cassé la boîte à épices juste hier. Donc je vais y aller un petit peu couverte. Comme ça, juste au cas où ils me reconnaissent. Toujours prête pour Noël ? Quand c'est qu'on ouvre les cadeaux ? Je bosse. Quand est-ce qu'on ouvre les cadeaux ? Je fais du boulot, là. Paye. Bisous. On va partir une nouvelle tradition de Noël, nous. On voit rien. C'est drôle. On voit rien ? Mais là, genre... Voilà, comme ça. Tu me vois là? Ouais. Ok. Est-ce que t'as les sprinklers? Oui, ils sont là. Parfait. Done. On en a juste deux, donc faut pas rater le truc. Hein. Regarde, c'est comme une baguette magique. Vas-y, lance-moi un sort. Wingardium Leviosa. Wouh! C'est beau, ça fait Noël, babe. Noël. Trop belle. Tu le mets pour ouvrir tes cadeaux. Merci. C'est mignon, hein? Ah, t'es drôle. L'autre cadeau, c'est celui-là. D'accord. Ça va ensemble. Je sais pas ce que c'est. Est-ce que tu crois que c'est une banane? Qu'est-ce que c'est? J'ai un ballon de foot, moi. Oh! C'est des fesses de banane. Regarde comme elle est belle. Elle est belle, hein? Elle est belle, hein? C'est ma tasse. Oh! Merci. Yeah. Évidemment, évidemment. Alors tu veux savoir, ce truc, c'est ma maison. Je l'ai depuis l'Écosse. What? Je l'ai acheté quand j'étais à Édimbourg avec Antoine. J'avais tellement peur qu'on le trouve pas ici. Ouais. Dès que je l'ai vu, je l'ai acheté. Donc, Et en plus, c'est ma maison. Merci bébé. On continue? Ouais. Est-ce que c'est là-haut? Non. C'est là-bas, je veux dire. Mais presque. Ah! C'est l'écharpe. Oh, waouh! Voilà, t'as les gants, mais maintenant t'as l'écharpe aussi. T'es trop lentille. Merci. Que ça te plaît? Beaucoup. Bah, excuse-moi. Trop bien! Il est cool en tout ça. Mais il est beau quand même. Il est super beau. Ouais. Ouais, quand tu me disais j'ai pas de pyjama pour New York, j'étais comme attends. Je pense que la taille elle va t'aller. J'ai pris un petit peu plus grand juste pour que tu sois confortable. Ouais, carrément. C'est des petits trucs. Hein. Ah. Et puis. Oh, attends. Mais c'était où? Double Project? Oui, c'est le magazine. Tu te rappelles pas? Au mois de juillet, tu m'as fait un hint genre oh, si tu veux des trucs Harry Potter, c'est juste là. Bah, moi je l'ai enregistré ici. Oh, wow. Et je crois que ça c'est des autocollants, mais pareil, j'ai vu ça, j'étais comme ah, c'est des j'achète cartes. Tout. C'est des petites cartes que je vais pouvoir interchanger avec d'autres fans de Harry Potter. Et ça c'est un autocollant, mais je le trouvais super beau. Et, ouais, super et apparemment la madame, parce qu'on s'est parlé en espagnol, wow. Je comprenais rien, mais elle m'a dit que c'était de très bonne qualité. Ok. Génial. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est à moi? Ouais. Et il est tout doux. C'est doux. Je sais, c'est un peu orgasme. Est-ce que c'est à toi? Ouais. Puis après il va rester moi. Garder pour New York pour l'avion, oui. Okay. Est-ce que c'est à moi?
Ouais. Est-ce que c'est lui? Ouais, mais écoute, je t'avoue que celui-là, j'ai chié. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouvre-le, puis tu vas comprendre. Tu l'as déjà? Je me suis rendu compte le samedi dans ta chambre, du coup. J'étais comme, ah, t'as le livre? Tu l'as pas lu? Mais il était vraiment pas cher, je l'ai trouvé quelque part. Là. Je me suis dit, oh, pour l'avion, ça ira. En puis... espagnol en plus. Oui, oui, en plus, tu sais, je me suis dit en espagnol et tout. Enfin, ça va être bien. Ben, tu l'as déjà en fait. J'étais dans la chambre, je l'ai vu. Et il y avait la lampe, de... cancel, cancel. Elle était déjà emballée. Oh non, c'est pas grave. Merci. Ton dernier cadeau. D'accord. Alors, on a bien fait ça. Qu'est-ce que c'est? Je sais, je n'ai aucune idée. Qu'est-ce que ça peut être? Je sais pas. Oh! Encore ma fille, j'arrête! Bah, je me suis dit que t'aimerais les deux. Puis je croyais que t'aimais Elf. Oui. C'est lui, Elf, non? Oui. Merci, est-ce que t'en mets un ce soir et moi je mets l'autre? Je pense que j'ai envie de regarder Elf du coup ce soir. Parce que moi j'ai envie de Elf du coup ce soir. Et en plus, il a un petit chapeau comme mais ça. Ouais. Est-ce que tu vas le regarder avec ça? Bah, moi ça, je le quitte pas de la soirée. Excuse-moi. Je vais répéter ce que j'ai dit, en fait je vais pas le quitter de la soirée, je le quitte pas jusqu'à Noël. Hein. Dans l'avion. Tu vas voir le siège. Je suis chapeau qui dépasse. Sur mon cinéma. Les gens ils vont être comme ça, ils pourront pas voir. C'était génial, trop de beaux cadeaux. Puis désolé pour le livre. Je me sentais un peu mal. Non, c'est drôle. Waouh, trop belle. Hein. Est-ce que t'es content de ton oui. Noël? Ouais. Jusqu'ici, ouais. Mais alors là, en plus, il va y avoir de la bouffe, du chocolat maintenant. Ouais, c'est vrai, on a encore un œuf Kinder, on a une fondue vrai. Au chocolat, en plus de notre souper de Noël. Ouais. Alors, on vient de finir de manger. Ouais, c'était trop bon. Ouais, et là, maintenant, on voulait passer au dessert, qui était une fondue au chocolat. Ouais. Le problème est que, évidemment, on n'y avait pas pensé. De micro-ondes. Mais on n'a plus de micro-ondes. Donc, du coup, là, on a essayé d'inventer un espèce de système pour chauffer le chocolat au bain-marie. Donc, on va vous montrer ça tout de suite. Voilà, c'est ça. Alors, on a mis des baguettes pour essayer de faire tenir le pain. Les baguettes vont tellement brûler. On s'est dit que ça devait pas toucher le fond, donc on sait pas combien de temps ça va durer, on va voir. C'est une espèce de petite invention qu'on vient de faire. Regardez cette super fondue maison qu'on a fait. Je remue un peu, regardez ça. Donc au final, notre invention a parfaitement fonctionné. Ouais, ça a juste pris une heure de plus. Alors, c'est quoi que je t'ai offert comme cadeau? En gros, c'est facile. Donc c'est une boîte avec un fondue au chocolat, des marshmallows et un stylo comestible où tu peux écrire. Cool, hein? Ouais, et ensuite tu le trempes. Bon, normalement il faut utiliser un pic, mais et ensuite tu manges. Alors c'est bon? C'est dur à dessiner, hein? B. Allez, mange-le maintenant. Ouais. Trop de chocolat. Mais parce qu'il faut quand même manger des fruits. Regardez, c'est équilibré quand même. Mm-hmm. Alors, ton œuvre? Est-ce qu'on peut le voir avec la caméra ou ça à l'envers? Non, c'est très bien. Laisse toi. Tiens, je te donne la moitié. J'ai perdu ma banane. Car des problèmes. Ah. C'est romantique. T'as du chocolat partout. Non. C'est le truc que je sais dessiner un petit peu bien dans ma vie. Ça peine Noël. Do my life. Qu'est-ce que tu fais? C'est Harry Potter. Il n'y a pas sa cicatrice. Il n'y a pas de place. Ah. C'est lui. Il a les lunettes. Il a l'air maléfique. C'est vrai. Ok. Et dès que tu le trempes. Ouais. Hop, il a des cheveux. Ou un chapeau. C'est un gars de Russie, t'as vu? Bonjour. Bonjour. Ok. Hello. Babe, j'ai perdu ma banane. Babe. Babe. Ah.